Oui, je sais, ce truc est vachement classique, mais ça fait toujours un petit effet assez stylé, donc moi je trouve que ça passe. Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves. Alors je suis dans mon studio, mais je suis à l'avant du décor. Le décor est là, clairement, avec les deux trucs de tissu bizarre et tout. Je fais une intro ici parce que là-bas le son est vraiment dégueulasse. Du coup, voilà, je fais une intro tranquillement ici. La dernière fois, j'étais dans les toilettes. Là, je suis dans mon studio, mais pas vraiment où il faudrait que je sois. Cette vidéo, c'est l'épisode 2 de Magic vs YouTuber. Yeah, speak English very well, cause j'étais à la fac d'anglais 2 semaines, mon pote. Après, ça m'a saoulé, je suis à la poudlard, clairement. D'ailleurs, ça reste entre nous, mais Harry a pris la grosse tête de ouf. Bref, j'espère que ce concept vous plaît, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve. Je crois qu'elle est là. Peut-être là, j'ai un doute, mais bref. N'hésitez pas à l'activer pour avoir votre dose d'incompréhension quotidienne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, croyez en vos rêves, et surtout... brossez-vous les dents. Je vais tenter de faire une transition stylée. J'ai échoué. J'ai juste un truc à te demander, c'est juste, pense à une carte, celle que tu veux vraiment, pense à n'importe quelle carte. Je l'ai déjà. Tu l'as? Je peux pas la connaître. Si tu veux, j'ai préparé un paquet, dans le paquet, j'ai juste enlevé les jokers, donc ouais. C'est là, faudra changer. Non, je parle. Ok, en fait. Mais dans ce paquet, j'ai retourné une carte. Ok. Tu la connais pas, moi je la connais. Ok. Est-ce que tu peux aller voir dans le frigo là-bas? J'ai mis un paquet de cartes. Je le prends? Tu peux le prendre. Alors j'ai une question, c'est quoi honnêtement la carte que t'as en tête? Je te le dis? Tu peux me le dire. Le 4 de trèfle. Regarde ça. Dans le paquet. Il y a vraiment une carte qui a tourné. Une seule. J'aurais eu une chance sur 52. Tu m'as dit 4 de trèfle. Et bizarrement, juste ici, on a vraiment une carte qui est face vers le bas. C'est ouf! J'ai partagé entre tellement d'émotions. À la fois, j'ai. Je te déteste, mais je suis amoureux de toi en même temps. Zola. Putain! Oh, mais comment t'as fait ça? Ah, le frigo, il est complice. Tiens, dis-moi, stop, quoi, tu veux. Tiens, tu prends la carte, je te laisse te feutre. Tu peux faire une grosse signature sur la carte, pas le côté bleu, le côté, tu viens. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais séparer le paquet en deux et je vais te demander en gros de. Je vais essayer, voilà, par le milieu. De choisir un des deux paquets, celui que tu veux. Vraiment choisir le paquet que tu veux. Ok, celui-là je vais le laisser ici et tu vas mettre ta carte où tu veux dans le paquet. Vraiment tu veux. Ok, regarde ça. Je la perds dans le jeu. Ok. Et là, regarde bien ce qui va se passer. Je vais prendre des cartes, je vais les mettre face vers le haut. Ok. Et les autres face vers le bas. Je vais mélanger complètement. Mais le plus important c'est qu'il y a les cartes à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Ok. Ok. A okay. Ton avis, franchement, en combien de secondes est-ce que je peux retrouver ta carte? Wow, ouais. J'aime pas ça parce que ça, je vais me faire troller. Disons 3 secondes. Je te demande un dernier truc, c'est juste en fait de me dire stop quand tu penses que les cartes sont vraiment mélangées à fond. Ok, quand tu veux, tu me dis stop. En vrai, je continue, je m'arrête pas. Sauf quand tu me dis stop. Stop. Là? Ok, tu confirmes qu'il y a vraiment des cartes à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, mais c'est vraiment le bordel. Ok, ok. T'es prêt? Ouais. Regarde ça. Les cartes sont dans le désordre. Je vais égaliser le paquet. Je mets tout par terre. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arrêter le temps? D'arrêter le temps? Ouais, c'est-à-dire vraiment le figer et pouvoir faire ce qu'on veut pendant que l'on est arrêté. Okay. Tu penses que c'est possible? Parce que je sens que ça va être à l'endroit. Regarde ça. Ok, ce qui vient de se passer à l'instant, c'est que je viens d'arrêter le temps. Et j'ai mis toutes les cartes dans le même sens, sauf une seule. Okay. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Regarde ça. Putain, c'est un sorcisme, mec. Toutes les cartes, sauf une seule. Merci Henri. C'est pas possible. Henri regarde vers nous comme si on pouvait l'aider. Regarde, regarde, faites quelque chose. C'est toi qui t'as choisi d'accepter de. Tu vas aller voir. Tu as juste deux choix, comme ça ne triche pas et personne ne voit ce que tu écris. Écris vraiment le numéro entre 1 et 1000. Vas-y, je fais le voisin. Ah ouais. Tu prends ça. Attends, je montre avant de mettre en boule. Ouais, oui, oui, ouais. Oui. Très bien. Ok, ok. Je vais oublier sinon. Ok. Ce qui va se passer, c'est un peu bizarre parce que si tu veux concrètement là, je vais rentrer dans ta tête. Ok. Donc je vais voir des choses que je suis pas censé voir. John, si tu veux des infos, c'est maintenant. Si vraiment tu veux. Tu vas être sale. Je suis pas né pour ça, putain. N'oublie pas que je me suis retrouvé avec une capote dans la poche tout à l'heure. Ce mec est bizarre. Ouais, mais faut prévenir ça avant qu'on dise oui. En fait. Ouais, non, mais faut gaffe. Ok, tu peux mettre le paquet, enfin la boulette dans ta main et me serrer la main en même temps, juste comme ça. Ouais. Mortel. T'es prêt? Enfin, il fait le truc de. Il va me filer un billet. C'est genre. T'es pas prêt pour ce qu'il y a dans ta main. Okay. Ah non, mec, non, bah non. T'as l'air, il l'a fait. Il y a une carte qui s'est transformée concrètement dans ma main. En capote.
Non, dans ma poche là. En vrai, le truc, quand tu le racontes, c'est n'importe quoi. Vas-y, vas-y. Tu vas crier ton nom dans ta tête. Ok. Dans 3 secondes, c'est-à-dire que tu ne le cries pas vraiment, sinon c'est simple pour moi. Tu vois. Okay. Dans 3 secondes, tu le hurles dans ta tête. Ok, ça marche. 3 secondes. 1, 2, 3. Alors pourquoi 572? Dis-moi. Merde. Alors, qui est derrière? Qui fait des signes derrière?